parle VTT, en fait. Je faisais du VTT dans le club de mon village avec mon père à 16 ans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire quelques compétitions, mais assez tardivement, à 19 ans, en VTT. Et puis sur la route, j'ai commencé il y a... ça doit faire... C'était en 2007 avec l'équipe des Pruneaux d'Agen. Ça va être les championnats de France au mois de juin. Les Coupes du Monde, j'aimerais bien faire un podium. Donc on va essayer de... Pareil, je suis dans une belle équipe italienne. On va faire pas mal de courses internationales. Il y a le Tour d'Espagne aussi qui me plaît bien. Et j'avais fait 7e au général. Donc là, j'aimerais bien rentrer dans les 5 et faire même mieux. Et puis les championnats du monde sur route qui sont à chaque fois fin septembre. Moi, je pense qu'ils font de plus en plus attention au design, au goût des personnes, puisque c'est vrai que les casques ils me plaisent de plus en plus. Hein, la forme là, du nouveau casque, ils sont de plus en plus légers. Ce que j'aime bien aussi dans la marque, c'est les lunettes. C'est vrai qu'ils ont un gros choix de lunettes. Pour moi, en plus, pour le cyclocross avec les verres photochromiques, ça me sert bien et c'est vrai que j'aime vraiment parce qu'un coup il fait beau et l'hiver et d'un seul coup, c'est nuageux et là de suite on n'a pas de soucis. J'aime bien, c'est sûr que c'est le proverbe que j'aime bien parce que justement. Ça ouvre les frontières et ça montre que tout est possible. Il ne faut pas se dire j'y arriverai jamais. Il faut tout le temps garder espoir et puis ça nous permet d'avancer et de progresser. Donc c'est vrai, c'est un proverbe que j'aime bien.